Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les notions concernant les écritures fractionnaires et les fractions davantage dans le programme de quatrième. Au niveau des connaissances passées, il va falloir avoir en tête des notions sur les fractions, sur les quotients, sur les définitions. Au niveau des connaissances et compétences à acquérir, il va falloir être capable d'utiliser les écritures décimales et fractionnaires et passer de l'une à l'autre, en particulier pour résoudre des problèmes, relier fractions et proportions, reconnaître et produire des fractions égales, utiliser la décomposition en facteurs premiers pour produire des fractions égales et résoudre des problèmes avec des fractions. Grand 1, quotient et fraction. Alors, la définition d'un quotient, pour ça, il nous faut deux nombres, A et B, dont l'un est non nul. Les nombres peuvent être des valeurs entières, des valeurs décimales, peu importe. À ce moment-là, on dira que le quotient de A par B est le nombre qui, multiplié par B, donne A. Ce qui signifie, si on veut traduire ça dans une expression mathématique, c'est le nombre, donc là on pourrait se dire, voilà, ça va être un certain nombre, qui multiplié par B donne A. Et ce nombre qui est en point d'interrogation ici, ça va être ceci. Donc ça c'est le quotient de A par B, qui multiplié par B donne A. On peut l'écrire de différentes façons. Par exemple, justement A sur B, avec un trait de fraction, comme une écriture fractionnaire. On peut l'écrire aussi A avec le symbole de point, B. Ou bien A, c'est deux points, on le voit peut-être pas très bien en film, mais ce symbole-là. Et puis, j'aurais pu rajouter encore une autre possibilité. Ça pourrait être aussi ou le slash B. Et donc, pour certains, ils peuvent s'écrire à cet endroit-là une bulle. A sur B, le quotient de A par B, c'est le nombre qui, multiplié par B, donne A. Donc, notion importante, comme d'habitude, c'est à savoir, c'est à mémoriser dans notre tête, un trait rouge dans la marche. Vocabulaire. Donc, par rapport à ce style d'écriture, on va pouvoir dire que A est le dividende, B va s'appeler le diviseur, et quand c'est sous forme fractionnaire, la valeur qui est au-dessus s'appelle le numérateur, et la valeur qui est en dessous, le dénominateur. Normalement, ça vous le savez, c'est un petit rappel. Exemple. Le quotient de 2,5 par 3 peut se noter de différentes manières, donc 2,5 sur 3 ou 2,5 divisé par 3, ou le diviser avec le 2 points et le trait à l'horizontale entre les deux. J'aurais pu ici rajouter 2,5 slash 3. Plus vous allez avancer dans les années, plus ce sera cette forme-là qui sera rencontrée, ou celle-là. Celle-là, moins. On peut dire aussi que c'est le nombre qui multiplié par 3 donne 2,5. Donc, c'est le nombre qui multiplié par 3 donne 2,5. Alors, il faut prendre le temps un peu d'observer pour comprendre comment le refaire avec d'autres valeurs. On observe que le fois 3, c'est le nombre 3 ici que l'on retrouve aussi au dénominateur. Par contre, le 2,5 qui était au numérateur, finalement, on le retrouve au résultat final. Il y a une raison. C'est un produit.
Donc, ce produit, en fait, il viendra en explication de quatrième. D'ailleurs, je m'excuse, au début, j'ai dit que c'était des notions de quatrième. En fait, c'est des notions de cinquième là, qu'on est en train de travailler. Donc, l'explication exacte de pourquoi ceci est égal à cela, vous le retrouverez en quatrième. Fraction. Alors, la définition, elle est toute simple. C'est quand une écriture fractionnaire a un numérateur et un dénominateur qui sont des nombres entiers. Donc il faut que le numérateur et le dénominateur soient des nombres entiers. Sinon, ça reste une écriture fractionnaire. Exemple, là, si je propose différentes écritures fractionnaires parmi ces cinq écritures fractionnaires, les fractions sont, donc il faut un numérateur et un dénominateur entier. Là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas au dénominateur. Là, numérateur et dénominateur sont entiers. Là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. Là, le numérateur et le dénominateur sont entiers. Donc, il y a deux écritures fractionnaires que l'on peut dire être aussi des fractions. Définition supplémentaire. Ce qu'on appelle un nombre décimal, c'est un nombre qui va pouvoir s'écrire sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000, 10 000, etc., etc. On pourrait même rajouter être aussi dont le dénominateur est 1, ou 10, ou 100, ou 1000. Mais la notion qui est importante, il faut bien que ce soit la possibilité que ça s'écrive sous forme d'une fraction. Donc ça veut dire qu'on va vouloir à nouveau numérateur et dénominateur qui soient de nombres entiers. On va tout de suite voir après un exemple. Et à ce moment-là, quand on va écrire avec ce type de dénominateur, on dira qu'on a une fraction décimale. Donc deux définitions qu'il est bon de connaître. Exemple. Si on prend 12,5 et qu'on se pose la question, est-ce que 12,5 est un nombre décimal ? Donc, dans les années passées, vous avez appris que oui, parce qu'il y a une virgule pour différentes raisons. Ok, maintenant on va le prouver grâce à cette définition. On va vérifier que ça peut s'écrire sous la forme d'une fraction avec un dénominateur qui est 1, 10, 100, 1000, 10 000, etc. Eh bien, on peut l'écrire comme étant 125 divisé par 10. 125 divisé par 10 est bien égal à 12,5. C'est un numérateur entier, un dénominateur entier, donc c'est une fraction. Et comme dans le dénominateur, on a 10, on peut conclure que 12,5 est un nombre décimal. De même, on peut rajouter qu'à ce moment-là, ceci est une fraction décimale. Voilà comment illustrer les deux définitions précédentes. Remarque, tous les quotients n'ont pas toujours une valeur décimale. Par exemple, si on prend un tiers, vous savez de tête que c'est, si on le calcule en posant le calcul ou à la calculatrice, 0,33333 et ça ne s'arrête jamais. Donc, à ce moment-là, on met même le signe environ égal à 0,33 ou 0,333, etc. Donc, on peut en conclure que comme la division de 1 par 3 ne se termine jamais, ce quotient, un tiers, n'admet pas de valeur décimale. Fractions égales, ça va être très pratique. Et vous en connaissez. Par exemple, si on dit qu'est-ce qui est égal à 1 demi, il y en a qui spontanément vont être capables de donner d'autres fractions égales. 2 quarts, 4 huitièmes, etc. On va préciser et on va voir comment procéder. Propriété admise, donc que l'on ne démontrera pas. Si on multiplie le numérateur et aussi le dénominateur par une même valeur, c'est important que ce soit la même valeur, non nulle, à la ligne, alors on obtient une fraction égale.
Ça, c'est une propriété importante qui va être très utile dans les années de 4e, 3e, etc., différentes occasions. Donc, si on a une fraction A sur B, qu'on choisit de multiplier numérateur et dénominateur par K, il faut que B et K soient non nuls, à ce moment-là, on a le droit d'écrire que c'est égal. Petit rappel pour ceux qui l'ont oublié, B et K ne peuvent pas être égales à 0, ils sont donc non nuls, parce que le dénominateur ne peut jamais être égal à 0. On ne sait pas diviser par 0. Il faut réactiver ça dans ses connaissances au niveau de ses neurones. Et puis, si c'est vrai pour la multiplication, on peut aussi le faire pour la division. Si on divise numérateur et dénominateur par un même nombre non nul, on a aussi l'égalité, propriété qui est importante de savoir, un trait rouge dans la marge. Et on va tout de suite voir des applications. Exemple, premier groupe d'exemple, si on a besoin de changer un numérateur ou un dénominateur. Par exemple, premier sous-exemple parmi tout cela. Dans mes cours, j'ai même dû, pour faire comprendre, là je vais souligner comme ça. Voilà, c'est un sous-exemple. On veut écrire la fraction 7 tiers en sixième. En sixième, ça veut dire qu'on veut un dénominateur qui soit 6 et qu'on cherche le numérateur de manière à ce que ce soit égal. Donc pour ça, on va se poser la question, comment on va passer de 3 à 6? Et pour passer de 3 à 6 en utilisant juste ce qui a été vu précédemment, il faut multiplier par 2. Je multiplie 3 par 2, je dois faire exactement de même au numérateur. Comme ça, je peux conserver l'égalité. Et à ce moment-là, je peux affirmer que 7 tiers égale 14 sixièmes. Et j'ai bien transformé mon 7 tiers en sixièmes. Deuxième sous-exemple, toujours pour changer un numérateur ou un dénominateur. Je veux transformer cette écriture fractionnaire en fraction. Donc une fraction, j'ai vu avant que c'était numérateur et dénominateur qui sont des nombres entiers. Là c'est un entier, là ce n'est pas un nombre entier. Donc je dois changer 7,1. Je peux par exemple le multiplier par 10. 7,1 fois 10, ça fait disparaître entre guillemets la virgule. Je multiplie par 10 le numérateur, je dois faire de même pour le dénominateur. Et donc ça fait 71 sur 30. J'aurais pu aussi choisir de multiplier par 100. Mais ici, il aurait fallu que je multiplie par 100 également. Et à ce moment-là, j'aurais trouvé 710 divisé par 300. Troisième exemple pour changer un numérateur ou un dénominateur. On veut écrire 5 sixièmes, mais en tiers. Les tiers, on sait que c'est le dénominateur qui vaut 3. Donc pour passer de 6 à 3, je divise par 2 le numérateur. Donc pour garder l'égalité, je dois diviser aussi par 2 le numérateur. Donc ça fait 2,5 sur 3. J'ai bien transformé 5 sixièmes en tiers. Ce n'est pas grave, là qu'il y a une virgule, on ne m'avait pas demandé une fraction. Deuxième type d'exemple, si on veut simplifier une fraction, ça aussi, ça va être très utile dans les années à venir, et même cette année un petit peu. Premier sous-exemple, on veut simplifier 14 sixièmes. Alors simplifier, ça veut dire, comme son nom l'indique, rendre plus simple. Et pour ça, on va se demander si on peut diviser par un même nombre entier, numérateur et dénominateur. On observe que 14 et 6, ils sont tous les deux multiples de 2. Donc,
on va diviser numérateur et dénominateur par le même nombre 2 et on obtient 7 tiers. Alors, à ce stade-là, on pourrait se dire, mais dans ces cas-là, je pourrais peut-être diviser par 3 ici, ou par 2 et 2, 3 et 3, etc. Alors, il faut savoir, et on l'écrira un peu plus loin en remarque, que quand on simplifie une fraction, il faut obligatoirement obtenir une fraction. Donc, ça veut dire qu'on ne veut pas de nombre à virgule au numérateur ou au dénominateur. J'insiste, pas de nombre à virgule au numérateur ou au dénominateur. À ce moment-là, on dira qu'on a simplifié ici par 2. Quelques remarques. Donc, c'est ce que l'on vient de dire juste avant. Quand on simplifie une fraction, il faut obtenir encore une fraction. Numérateur et dénominateur entier. Deuxième remarque. Pour simplifier, il faut trouver un diviseur commun au numérateur et dénominateur. Là, le diviseur commun était 2. On a divisé par 2, on a divisé par 2. Commun. Et enfin, il est possible de céder des critères de divisibilité de la décomposition en facteurs premiers si vous l'avez déjà étudié. Les critères de divisibilité, vous devez les connaître ou vous les rappeler rapidement en mémoire. Comment on reconnaît un nombre divisible par 2? Le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6, 8. Ou le nombre est pair. Comment on reconnaît un nombre divisible par 3? On fait la somme de tous les chiffres qui composent le nombre et on regarde si cette somme aboutit à un résultat elle-même multiple de 3, etc. Propriété des produits en croix. C'est mis entre guillemets parce que c'est une expression propre aux mathématiques. Également très utile pour les années à venir. Si on a quatre nombres, A, B, C, D, avec deux nombres ici que j'ai choisi, B et D non nuls, différents de 0. Si on a l'égalité suivante, A sur B égale C sur D, donc on a l'égalité de deux écritures fractionnaires. Et bien, à ce moment-là, on va pouvoir affirmer que A fois D, donc on pourrait faire ceci dans sa tête, A fois D, égale B fois C. On a une égalité, on a des produits, on a deux produits, des produits. Et là, on a fait la forme d'une croix. Donc, on dit les produits en croix. Alors là, je ne sais pas pourquoi ça a été aussi vite. Petite marche arrière. Voilà. Ah ben non, c'est bon. Petite marche arrière, voilà. Donc là, on a fait A fois D égale B fois C. Mais on aurait pu commencer par celui-là, puis écrire que c'était égal à ça. On peut très bien écrire C fois B égale A fois D. Le tout, c'est de faire une croix et bien d'écrire deux produits. Donc, notion importante, un trait rouge dans la marge. Exemple d'utilisation immédiate. Est-ce que les deux fractions ici sont égales? Donc, on va utiliser ce qui est là. Pour ça, eh ben, on va appliquer la règle des produits en croix. On va faire 2 fois 119, et puis on va faire 7 fois 34. Et on va les comparer. Alors 2 fois 119, il n'y a pas besoin de la calculatrice. 2 fois 9, 18. 2 fois 1, 2 et 1, 3. Et 2, ça se fera de tête. Pareil pour l'autre, 7 fois 34. Petite précision avant d'écrire les résultats, il faut absolument calculer séparément les deux produits parce qu'on ne sait pas encore s'ils vont être égaux. On ne le sait pas à l'avance. Il y a bien une question, est-ce que c'est égal? Est-ce qu'on va avoir l'égalité des produits en croix? Donc, je calcule, ça fait 238 pour le premier. Le deuxième, 7 x 4, 28. Et 7 x 3, 21 et 2,
23, on observe qu'on a ici les mêmes résultats. Donc, comme on constate, on peut écrire « comme les produits en croix sont égaux », alors les fractions sont égales. Si jamais, ici, on avait obtenu des nombres différents, à ce moment-là, on aurait dit « alors les fractions sont différentes ». Et donc, important que ce soit fait séparément quand on vérifie. Dernier point, la notion de proportion. Encore une notion basique qui va prendre de l'importance les années futures. Définition, elle est simple. Une proportion est un rapport entre deux grandeurs. Définition à connaître. Et on va tout de suite voir quelques exemples. Premier exemple, on va prendre dans une classe, par exemple à la 5e B, et il y a 14, ah non pas 14 élèves, ça fait peu beaucoup, pas beaucoup, on va prendre 32 élèves, dont 14 sont porteurs de lunettes, 14 portent des lunettes. Et bien à ce moment-là, on pourra dire que la proportion d'élèves porteurs de lunettes dans cette classe est de 14 32e. Autre exemple, dans une enquête sur les révisions des élèves, comment ils travaillent, par exemple, à la maison, la proportion des élèves qui récitent leur cours à quelqu'un est de 1/4. C'est ce que a révélé une enquête. Eh bien, ceci signifie que un élève sur 4, à chaque fois qu'on a 4 élèves, on en a un, récite à quelqu'un. Un élève sur, ça tombe bien, c'est comme un trait de fraction, sur 4, récite à quelqu'un. On pourrait dire ça autrement, parce que 1/4, on sait que ça admet une valeur décimale. Ça, vous devez la connaître en tête et la voir quasiment en automatisme en mémoire. On va pouvoir dire que la proportion est de 0,25, puisque 1/4 est égal à 0,25. Et 0,25, c'est bien une valeur décimale, donc on peut la transformer en une fraction, avec un dénominateur 100, 25 sur 100. Et si on peut écrire 25 sur 100, on peut aussi rajouter que c'est 25% des élèves qui récitent à quelqu'un lors de révision. Voilà pour cette séquence de cinquième avec des bases sur les quotients et les fractions. Bien entendu, maintenant il faut pratiquer, maintenant il faut activer les neurones et les réactiver régulièrement, pratiquer des exercices, se poser des questions, s'auto-évaluer par écrit pour vérifier que vous savez votre leçon et ne pas hésiter à poser des questions à votre enseignant. Bonne poursuite !